Ouais, autant ils étaient peu nombreux en première mi-temps, notamment offensivement, parce que je crois que sur l'occupation du terrain, sur traiter les ballons dans nos 40 mètres, on l'a bien fait, on l'a bien occupé, on est bien ressorti, on a à chaque fois repris le terrain adverse, on a été chez eux, et on a bénéficié de leur faute grâce à la botte de Johnny. Par contre, on a été approximatif sur nos lancements de jeu, dès qu'on avait le ballon. On a été beaucoup moins rigoureux qu'on ne l'a été la dernière demi-heure de ce match. Mais bon, c'est comme ça, et c'est vrai que la supériorité numérique nous a quand même favorisé aussi. Aujourd'hui parfait? Non, pas aujourd'hui parfait, Johnny, non. Non, il a été parfait au but. Il a été très approximatif après dans le jeu. Je crois que justement, 8, 9, 10, on a été très approximatif, on a manqué de clarté à un certain moment. C'est pas son meilleur match, Johnny, non. Ça, c'est loin de là. Enfin, je parle offensivement, après, je parle pas au pied. Au pied, il a été exceptionnel. Ouais, on finit mieux, effectivement. Oui, bon, on sait que les débuts de match, c'est toujours, il y a beaucoup d'intensité. En face, ça s'effraie. On a mis un certain rythme qui a fait que peut-être on a trouvé des solutions dans la dernière demi-heure, de par le fait qu'on a mis peut-être la pression sur cet adversaire, sur cette équipe, et puis le fait de la supériorité numérique, c'est une évidence. On va pas le masquer. Mais bon, moi, ce qui m'énerve, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus précis, notamment en première mi-temps. Sur les ballons offensifs, je parle, parce que le reste, je trouve qu'on l'a très bien fait. On a bien pris les renvois, on est bien ressorti de chez nous, on a bien occupé le terrain. Mais quand on avait le lancement de jeu, on perd de mémoire trois touches en première mi-temps, on a deux ballons qu'on ne négocie pas derrière notre mêlée, où on se fait prendre. Et c'est des ballons en plus, quoi. Hein. Ça fait cinq ballons, c'est beaucoup cinq ballons dans une mi-temps. C'est un ballon où tu ne peux pas mettre la pression sur l'adversaire. Mais bon, c'est comme ça, le match parfait n'existe pas. Et on sait qu'encore une fois, il nous faut grandir, il faut garder cet état d'esprit, parce que ce n'était pas facile d'aller chercher ce point de bonus. Ils l'ont fait. Enfin, quand je dis que ce n'est pas facile, on n'y arrivait pas, quoi. On voyait bien qu'on s'empêtrait un petit peu. Puis bon, ce ballon porté, cet essai, a déclenché une certaine euphorie, et tant mieux pour nous.